Bruno, bonjour. Bonjour. Alors, on rappelle qu'on est à l'Acrobranche, hein, à Loisir Évasion, à côté de Digny. Et donc, on s'est vu il y a 2 ans. Oui. Et on actualise parce que vous avez fait des innovations et il y a 2 parcours supplémentaires. C'est ça. Racontez-nous. Il y a 2 parcours supplémentaires. Donc, il y a le parcours jaune pour les enfants à partir de 3 ans. Et on a rajouté un parcours rouge, donc pour les plus confirmés. Pour ceux qui trouvaient que le bleu était un peu facile, on a rajouté un parcours rouge qui est donc plus costaud, plus difficile. Voilà. Alors, le jaune, 3 ans, les enfants peuvent y aller, sans problème. C'est ça, à partir de 3 ans, bon, c'est plutôt la taille qui est importante, donc c'est 1 mètre. Ça équivaut à peu près à l'âge de 3 ans. Et le parcours jaune est sympa, de 3 à 6 ans. Ouais. On peut faire avec les parents. Les parents peuvent suivre au sol jusqu'à la fin du parcours, donc très sympa pour les enfants. Le rouge, quelles sont les difficultés ? Alors, les difficultés sur le rouge, c'est que ce sont des ateliers assez physiques qui demandent pas mal la force des bras, des filets à grimper, des choses comme ça, des étriers. Donc c'est assez physique par rapport au bleu. On est à quelle hauteur ? À peu près pareil que le bleu, 6-8 mètres. 6-8 mètres ? Entre 6 et 8 mètres, voilà. Alors conseiller donc aux gens qui ont déjà une expérience. Voilà, conseiller aux gens soit un peu sportifs, soit des habitués, on va dire, de cette activité. Alors, la dernière fois, on avait présenté le vert avec un enfant. Ouais. Aujourd'hui, on va présenter le bleu avec Ophélie. Alors, Ophélie, vas-y. Allez, on met le baudrier. Là, dans le pied. Alors, il faut bien écouter toutes tes consignes. Allez, tu enfiles. Et on serre. Donc voilà, Ophélie fait à peu près 1m40, donc c'est la taille, ouais. C'est la taille requise pour faire les parcours adultes, donc le bleu et le rouge. Donc c'est à peu près à partir de cet âge-là qu'on peut faire les parcours adultes. On accroche les mousquetons dans les lignes de vie. Regarde, les lignes de vie sont marquées ici en rouge, exactement comme tes mousquetons, où il y a des scotch rouges. Donc tout simplement, on attache le rouge dans le rouge, d'accord ? Les 2 mousquetons, là. Et une fois que les 2 mousquetons sont accrochés, là je suis en sécurité. D'accord ? Si jamais je glisse dans l'atelier, je suis tranquille, je suis attaché avec mon baudrier. Et c'est ça le plus important. Donc à partir de là, si tu es attaché, on peut monter sur le parcours. Okay ? Donc je vais attraper la ligne de vie ici. La ligne de vie de l'atelier, d'accord ? Qui va me permettre de monter jusqu'à là-haut. Je vais l'attraper et un par un, je vais mettre mes mousquetons dessus. D'accord ? Le premier et le deuxième ensuite. D'accord ? Très important de toujours faire comme ça. À chaque fois que tu vas enlever un mousqueton, il va y avoir le deuxième qui t'assure. D'accord ? Donc ce que je ne veux pas voir, c'est ça, les 2 mousquetons enlevés. Si jamais tu glisses du câble ou que quelqu'un te pousse sans faire exprès, tu te retrouves les fesses par terre. D'accord ? Donc toujours manipuler ces mousquetons un par un. Ça va pour ça ? On cherche les marques rouges, on attrape, bon, et on s'attache dessus, un par un, le premier et le deuxième. Allez, ouvre-la bien en grand, tu regardes les scotch. Regarde les scotch, le rouge est derrière, le bleu est devant. Pareil ici, le rouge est derrière et le bleu est devant. On met bien ses mains ici. Ici, les épaules en arrière, jambes tendues, on arrive jusque dans le matelas. Arrête, 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 arr
c'est la même. Moi, c'est tout le temps vers la droite. Moi, vers la gauche. Ah ah ah. J'ai trouvé comment faire. Faut le pousser vers la gauche. Ouais, bah, tu sais, je fais. Ah, ouais, je viens à peine de le voir. Ça. Ça. Juste pour prendre le CD. C'est pas rien. Donc Bruno, vous nous aviez annoncé les nouveaux parcours. Alors Ophélie a fait le bleu, on l'a suivi sur le bleu. Oui. Et là, on est sur le site du jaune et du rouge. C'est ça, donc c'est à côté du vert et du bleu. Donc le parcours jaune, qui a, donc, comme je disais tout à l'heure, le parcours enfant, qui est juste ici. Donc c'est à peu près à 1 mètre du sol. Et juste au-dessus du parcours jaune, il y a le parcours rouge. Voilà, alors le rouge, donc, c'est pour les chevronnés. Alors vous nous avez fait quelques démonstrations sur les ateliers. Expliquez-nous les difficultés. Alors, la difficulté en fonction des ateliers, ça va être des difficultés au niveau de l'équilibre, au niveau de la force. Donc, vous voyez par exemple l'atelier, donc le cheetah que j'ai fait, c'est-à-dire avec une corde simple et des petites cordelettes au-dessus des bras, ça va faire travailler plus l'équilibre. Parce qu'on a deux points d'attache, un en bas et un en haut, qui sont assez loin l'un de l'autre. Donc, il faut trouver un certain équilibre pour ne pas pencher un des deux côtés. Un autre atelier par exemple, ça va être les filets volants, donc les trois filets, où là ça va être beaucoup plus à la force des bras. Parce qu'à partir du moment où on va grimper sur un filet, il va se pencher et du coup on va devoir tirer sur les bras pour rester accroché. Et donc là, la difficulté c'est d'avancer jusqu'à la plateforme d'après, et ce à la force des bras. Ensuite il y a des ateliers, on va dire un peu plus de dextérité, comme on a vu les passerelles tout à l'heure, où il faut sauter de passerelle en passerelle. En s'aidant des cordes, en faisant des mini sauts de Tarzan. Donc là, c'est un petit peu de bras, un petit peu d'équilibre, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un parcours qui est assez complet en termes de difficultés. Alors je pense que vous avez d'autres projets, mais bon, on va pas en parler tant qu'ils sont pas réalisés. Alors... On a toujours des projets. Après, c'est sûr qu'on aimerait bien faire un parcours noir, c'est-à-dire un parcours encore plus difficile que le rouge pour ceux qui sont encore plus sportifs et pour les habitués, on va dire, des parcours à la Provence.
Après, on peut toujours faire d'autres parcours, des parcours entre le vert et bleu. On peut faire, bref, plein de difficultés différentes. Donc, c'est vrai qu'on a pour projet d'évoluer le plus possible en fonction des années qu'on fait. Voilà. Alors, peut-être les prochaines, un parcours noir. On verra. On espère. Voilà. On espère. Attends, mets les pieds dans, voilà, les triers. Dans l'étrier. Hop, t'as mis l'autre? Ouais, c'est bon. Vas-y, allez, tu mets tes mains là. Oh, Bruno, rappelez vos heures d'ouverture. Alors, les heures d'ouverture, donc en semaine du mardi donc au vendredi, on est ouvert de 13h30 jusqu'à 19h. Et ensuite, le week-end, donc samedi dimanche, on est ouvert de 9h à 19h, donc avec une petite pause le midi. Et on est fermé le lundi. Voilà, on a ouvert les jours fériés, les vacances, et après, hors vacances scolaires, sur réservation conseillée, avec toujours ces mêmes heures d'ouverture. Bien, alors, il y a aussi quelque chose de nouveau. Ici, vous avez fait un espace bar. Voilà, c'est ça. Donc, on a agrandi, on a fait une grande structure donc, qui fait maintenant l'accueil. Le bar, on a fait des toilettes en dur, puisque jusqu'à présent on était sur toilettes sèches, donc on a fait des toilettes en dur. Et puis voilà, un espace intérieur et une terrasse, donc on peut s'asseoir, boire un petit coup après les activités, on a même un billard, un flipper, donc de quoi se détendre. Alors les parcours durent entre une demi-heure et 50 minutes, c'est ça? C'est ça, en moyenne on dit à peu près entre 30 et 50 minutes le parcours. Après, bon, c'est en fonction de... À fonction de comment on se débrouille, hop, excusez-moi, de comment on se débrouille, puis de la, on va dire, de l'affluence aussi sur les parcours. Forcément, plus il y a de monde, moins on avance vite. Et puis alors, vous proposez aussi un forfait donc, qui peut être intéressant, puisque pour quelques euros de plus, on peut faire plusieurs parcours. C'est ça. Donc ça marche pour l'instant, pour cette saison-là, toujours. On marche effectivement au niveau des tarifs au parcours, et après, on propose... Donc des forfaits, si vous voulez faire plusieurs parcours, donc deux ou trois parcours, on propose des forfaits qui sont au niveau tarif plus intéressants. Évidemment, plus on en fait, moins c'est cher. Merci. Voilà, t'en prie. À bientôt. À bientôt. Bah alors, Félix, c'est la première fois que tu faisais de la courbranche. Le parcours bleu adulte, c'est difficile? Non, pas tellement. C'est un peu difficile, ça paraît difficile, mais c'est pour moi, c'était bien. C'est pas trop haut? On n'a pas... Non. Bah moi j'ai... La sensation de vertige? Pour me faciliter les choses, j'ai essayé de ne pas regarder tout le temps dans le vide. Sinon ça fait impression. Merci Ophélie.